bienvenue à nos téléspectateurs du monde entier. On va finir de s'échauffer ensemble et ça va pouvoir commencer. À l'affiche aujourd'hui, Manchester City contre l'AS Monaco. Ici Grégoire Margoton avec Darren Tullet, très concentré, Darren d'Angleterre. Le match peut commencer. Mes respects, cher Grégoire. Voilà une affiche plutôt sympa. J'espère qu'on va se régaler. Et nous entendons le fameux hymne de l'UEFA Champions League. Sous nos yeux, les compositions d'équipe. Hart dans les buts. Otamendi. Mangala. Zabaleta. Kolarov. Yaya Touré. Fernandinho. Sterling. Nasri. De Bruyne. Agüero. Cette rencontre. Kolarov. Sterling. C'est un bon mouvement. Il progresse encore. Sans se poser de questions. Autour du gardien de jouer. Zabaleta qui est servi sur cette bonne transversale. Traoré. Fabio Quintrao. Oh, le duel. Sterling qui centre. De Bruyne. Fernandinho. Nasri. Sterling qui cherche à construire. Il est repoussé par la défense. Il glisse le ballon en profondeur. Il paraissait bien seul aussi. Sterling qui était hors-jeu. Le gardien loin devant. De Bruyne. Le long centre. Mangala. De Bruyne. Zéro tir dans ce match encore. Mais que se passe-t-il ? Il récupère le ballon, c'était un bon pressing. Fernandinho. Il s'impose physiquement pour récupérer ce ballon. Le bon tacle. Nasri. Oh, la maîtrise, quel bonheur pour les yeux. Ça joue à gauche. Le petit 1-2. Faute. Et cette faute sera sanctionnée d'un carton jaune. C'est peut-être un petit peu loin, mais on ne sait jamais, vu la qualité de sa frappe. L'AS
Monaco qui peut construire. Toulalan. Il centre directement. Pour trouver la faille dans la défense. De Bruyne. Dans le dos de la défense. Mais il faut essayer d'être plus dangereux. Fabio Quintrao. Il tente de la jouer dans l'espace. Zabaleta. C'est bien conserver sa lucidité maintenant. C'est joué long. Ce ballon vers ses attaquants. Oh, c'est sans conséquence, mais quelle prise de risque inutile. Ça, c'est de la détermination. Il a provoqué cette erreur grâce à son pressing. Bien joué. C'est frustrant de voir cette action bien construite ne pas aller au bout. Lemar. Attention dans l'axe. Le bon dribble. Nasri qui... L'arbitre siffle la fin de cette première mi-temps. Ils n'ont jamais vraiment été inquiétés dans cette première mi-temps. Le crédit revient à toute l'équipe. Ils ont défendu de partout, tout en restant très très bien organisés. 0-0, tout est encore possible dans cette rencontre. Coup d'envoi de la seconde période. Il y a quand même une grosse différence sur le nombre d'occasions. Et je pense qu'avec un peu plus de réussite, ça pourrait faire pencher la balance. Bonne intervention, ça pouvait créer le danger. Nasri. Et Yaya Touré. La bonne interception. De Bruyne. Moi, je trouve que c'est l'un de ces attaquants qui font vraiment peur aux défenses adverses. C'est un épouvantail en crampons. Traoré, il est lancé vers le poteau de corner. On joue sur l'aile, il est servi. Il décide d'allonger le jeu. Oh, Agüero ! Dira. Sterling, une petite faute là. Fabio Quintrao. Il accélère et il déborde. Ça passe à droite. Il écarte, il joue sur l'aile. Et le ballon a franchi la ligne. Jean Moutinho. C'est moi ou ça manque un tantinet de but dans ce match ? Pour trouver la faille dans la défense. Joli passe lobé. Pas de hors-jeu, il y va. Oh, j'en connais un qui attendait ce ballon. Quelle frustration quand même. Bonne intervention qui stoppe net ce one-man show. Ça s'est bousculé un peu trop dans la surface là. Difficile de réussir son tir dans ces conditions. Sur la touche, sa préparation est terminée. On dirait qu'il y a du changement dans l'air. C'est joué long, attention. Mangala qui est récompensé de son pressing. Fernandinho qui subit un marquage très serré. Oui, ils font un peu un pressing à la source.
histoire d'essayer de provoquer des erreurs. À la régulière, il est battu, joli tacle. Dirard. Oh, voici Wagner Love. C'est intercepté, ça aurait pu faire mal. Nasri. Pas encore de but inscrit dans cette rencontre, mais ça pourrait changer. Dans le dos de la défense. Toulalan. Dirard. Fabio Coentrao. Ils n'ont pas encore fait un seul changement, c'est important. Jean Moutinho. Il tente de la jouer dans l'espace. Bien joué de la part du défenseur. Corner. L'arbitre sort un carton jaune de sa poche. Il était aux fraises, il n'aurait jamais pu arrêter ce tir-là. Jean Moutinho. Ça peut être extrêmement dangereux. Joli, il ne fallait pas se rater. Belle intervention de la défense sur ce coup-là, il y avait danger derrière. Oui, mais le contrôle n'est pas bon, trop approximatif, il perd le ballon. De Bruyne, il est signalé en jeu. Le long dégagement du gardien. Il centre de loin. Il faut faire les bons choix. Quelle intervention! Cette fois, ce n'est pas passé, mais il a eu bien raison de tenter sa chance. Oui, mais il était bien enfermé. C'est dégagé, loin devant. Jean Moutinho. Va-t-il en profiter? Il joue dans l'espace. Il cherchait la profondeur, mais en face, défensivement, ça répond présent. Je pense surtout que la passe n'était pas bonne, c'est aussi simple que ça. C'est centré dans la boîte. Il file vers le but. Il glisse le ballon en profondeur. Fernandinho, quelle passe! Il récupère le ballon, c'était un bon pressing. Il est arrivé à se mettre en position, mais il n'a pas pu déclencher. Wagner Love, la relance, côté droit. Toulalan. Pour trouver la faille dans la défense. Mais il était bien présent. Un bon centre dans la surface. On est dans les dernières secondes des arrêts de jeu d'Arène. En retrait vers son gardien. Faute, c'est indiscutable. Les gestes mal maîtrisés, logique cette sanction, carton jaune. Manchester City qui compte maintenant deux joueurs avertis. On est au bout du temps réglementaire, on se dirige tout droit vers la prolongation. Oui, mais ce fut un excellent 0-0. Ce score vierge ne reflète absolument pas la physionomie du match. Et deux équipes, toujours au coude à coude après 90 minutes. Place maintenant la prolongation, ça va se jouer au moral sans doute.